Franco, oh Franco, tu es en insécurité. Oh Franco, ta mort est proche. Oh Franco, tu cherches à mourir gratuit. Pourquoi? Tu attends les gens du monde du ténèbres. Oh Franco, c'est mon tête descendu. Bonjour les papas. C'est le fils. Je suis le général Franco. Ceux qui se soucient même de ma mort plus que moi là. Pardon, laissez-moi mourir. Ne vous inquiétez pas pour moi, hein. Chacun va mourir que le jour que Dieu avait. Moi, personnellement, je vais mourir le jour que Dieu avait prévu. Alors, déjà, je n'ai jamais fait de vidéo pour dire que tel est sorcier, tel est ci, tel est ça, non. Je fais mes vidéos pour dire ce que vous faites là, ce que vous nous montrez là, montrez-nous également la source, c'est différent. Parce que j'ai fait mes vidéos, je tiens compte de la justice. Je tiens compte qu'on peut me porter plainte et dire que quelles sont les preuves de ce que tu as dit. Je n'ai jamais dit que tel ou X ou Y est sorcier. Ça, c'est d'un. Maintenant, je vais vous expliquer. Parce que j'ai dit une autre fois que je n'ai pas peur d'un sorcier. Les gens n'ont pas compris ça. Moi, j'ai plus peur même d'un Konengi que le sorcier. Le sorcier ne peut rien me faire. Je n'ai pas peur du sorcier. Moi, je vous dis ça, ouah. Et vous allez comprendre, écoutez la vidéo aussi en intégralité, vous allez comprendre la raison pour laquelle moi je n'ai pas peur du sorcier. Si tu comprends bien la vidéo aussi, toi-même, tu ne vas plus avoir peur du sorcier. S'il fallait prendre seulement l'image de quelqu'un, aller comme ça là, dire que voir un marabout ou bien voir un sorcier ou voir les gens du monde des ténèbres que vous disent là que finissez-moi avec celui-ci. Vous pensez que les gens comme les J.P. Rémy Ngono vivent? Les gens comme le général Vaisseau, les gens comme les Maurice Kamto, les gens comme le professeur Maurice Kamto, autant pour moi, les gens comme je ne sais pas, tous les stars, les Poupées, les Muriel Blanche, tous les gros, gros stars là, vivent. Non! On ne peut pas décider du sort de quelqu'un comme ça, tant qu'il n'est pas coupable. Vous comprenez? Voici comment ça se passe, ces histoires. Vous avez pour habitude quand un sugar daddy, vous appelez sugar daddy, invite une fille. Elle pas dit à sa copine, voilà, tu connais mon gars, tel, 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 tel. Il nous invite tel jour, maman. Tu nous accompagnes pas, tu m'accompagnes pas. Viens, on va aller boire le vin, on va aller manger et tout. Toi aussi, du coup, tu pars, tu manges. Tu bois, bar, restaurant gratuit. Généralement, vos amis viennent de Mbeng. Les Mbengis, vous ne connaissez pas ce qu'ils font là-bas à Mbeng. Vous ne connaissez pas. On vous invite seulement. Les gars, allons en boîte. Vous partez, vous mangez, vous buvez. Vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire? Un sorcier ne peut pas te tuer tant qu'il n'y a pas un lien entre vous. Quand tu manges, tu bois. Voilà déjà le lien qu'il a tissé entre vous. Pour qu'un sorcier t'atteigne, il doit te donner son argent. Comprenez bien ce que je vous dis. Pour qu'un sorcier te tue, pour qu'il parvienne à t'arracher la vie, tu dois manger sa chose. Il doit avoir un rapport. Soit il a payé tes études, soit il a ouvert, il a payé ta formation, bon, c'est les études, soit il a ouvert un resto, bon, une boutique pour toi. Il t'a fait un don. Bon, maintenant, je vois quelqu'un se lève un matin et partage les gens bousculent. Les gens bousculent pour prendre. C'est où je peux vous confirmer à l'heure actuelle qu'il n'y a pas de poison au Cameroun. Je vous ai posé la question la fois passée que pourquoi c'est la tranche des 45-40 ans en arrière qui meurt du poison? Dans les 60 ans là, 55, 60, 70 ans là, le poison ne les prend pas alors. Pourquoi vous ne vous posez pas la question que ce sont que des jeunes qui meurent du poison? C'est où j'ai pris le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a vraiment le poison au Cameroun? Parce que même à partir de ta copine là, son sugar daddy peut te tuer. Tant que tu ne sois pas au courant. Tu passes seulement, tu manges, tu bois. Tu manges l'argent, de l'argent là sort d'où? C'est l'argent de qui? Tu manges, tu bois, tu es content, vous dansez. Celui-là vient, il met seulement les vins sur la table, il met l'argent, il vous farote. Vous mangez, vous buvez, c'est quel argent? Après, dès qu'il va lancer son filet comme ceux-là qu'on appelle les pêcheurs là,
Quand le gars pêche, il lance son filet comme ça là. Les poissons que ça attrape là, c'est les malchanceux parce que la direction c'est directement dans la marmite. Quel qu'en soit le nombre de temps que tu vas faire dans le congélateur ou bien au frigo, tu vas finir dans la marmite. C'est comme ça, quand on vous donne à manger, on vous donne à manger, on vous donne à manger, vous mangez, vous mangez. Mais le jour qu'il faut faire des sacrifices, il lance son filet. Si ça arrive sur toi, tu n'es pas protégé, tu n'es pas prêt. Tac, ça te prend. Et malheur à toi si tu étais allé manger quelque part, on va me faire que c'est le poison, non? Donc, aussi arrêter aussi de montrer que le Cameroun, c'est un pays de poison aussi seulement. Non. Avec tout ce que j'ai vu cette semaine-ci, avec l'histoire des batailles d'argent, les enfants bousculent pour prendre l'argent. Je vois les gens faire même des atalakous, faire même des vidéos sur Facebook. Pardon, maman, donne ma part. Je comprends que il n'y a pas le poison au Cameroun. Ce sont ces jeunes-là qui cherchent leur mort. Parce que c'est trop facile maintenant d'éliminer les Camerounais. Parfois, quand on voit que tu es trop malin, quand on te piège comme ça, on t'atteint pas, on engage même une femme derrière toi. Tu restes là, une fille bien. Ouh, mon bébé, ouh, tu es mignon, ouh, je veux. Ouh. Et c'est souvent les filles trop faciles. Et moi, je vous rappelle que quand tu couches avec une fille, elle détient ton âme, man. Elle peut tout te faire. Quand tu as mis là, pian, pian, c'était bon. Hein. Quand tu gnasses Yaringo, si elle veut te faire n'importe quoi, si tu n'es pas toi-même prêt, elle va finir avec toi. Donc voilà les liens qui peuvent amener un sorcier à t'atteindre facilement. Dis que parce que tu as parlé ceci, tu as parlé cela, un sorcier va rester chez lui, dit que je vais finir avec telle bête. C'est impossible. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Parce que j'ai vu le contact avec le sorcier. J'ai vu le contact avec le sorcier. Vous comprenez un peu, non? Si toi, tu ne veux pas qu'un inconnu te tue, te donne un sacrifice, évite le contact avec certaines personnes. Évite. Tant que tu vas mettre ça en pratique, tu vas vivre longtemps. Personne ne doit venir décider de ton sort. Et il y a aussi beaucoup de personnes ici dehors qui font tellement du mal aux gens. Quand le karma, le retour de ça revient, on dit le poison. Quel poison? Il dit que j'ai enquêté la semaine-ci. J'ai pris le temps de dire que telle situation, telle, surtout avec la fille de 22 ans qui partait l'argent. J'insiste encore et que, oh Franco, tu n'as pas peur, tu parlais d'elle, tu sais ce qu'elle peut te faire, elle peut t'amener ton âme. L'âme de qui? De qui? De moi? Mais de, que Franco lui-même est d'abord facile. Mais l'âme de qui? Mon âme? Pas comment? Que j'ai fait quoi? Que j'ai dit quoi? Qui n'a pas parlé d'elle? Les gens m'envoient un message que vous. Vous l'envoyez un message à qui? Vous pensez qu'on se lève un matin, vous venez s'asseoir, vous êtes très influenceur, bavardé. Posez-vous d'abord la question à savoir pourquoi, depuis que je bavarde là, on ne m'a jamais convoqué dans un commissariat. Parce que, papa, je contrôle ce qui sort de ma bouche. Je n'ai pas fait de vidéo pour dire que tel est sorcier. Je n'ai jamais traité quelqu'un de sorcier. Arrêtez vos trucs, vos commentaires bizarres, bizarres. Oh, jaloux, matin. Moi, je travaille. Ceux qui viennent demander que tu passes ton temps à faire les collages des vidéos pour vivre. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis, savent ce que je fais comme métier. Il n'y a pas besoin de venir bavarder devant vous. Hein? Donc, restez-vous tranquilles, les gars. Si je meurs demain, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé. Personne ne va décider que tu vas mourir. Non. Parce qu'il y a quelqu'un en haut là qui est plus puissant que nous tous, qui est Dieu. Personne n'est fort que Dieu, personne. Ne vous inquiétez pas, je vous lis vos messages. Franco, quand tel malheur va t'arriver demain, tu vas te plaindre. J'ai vu les attaques physiques. C'est pour ça que je ne parle pas directement des gens. C'est pour ça que les attaques physiques, même, on ne peut pas me faire. Parce que je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire que telle personne, j'évite. Donc je contrôle moi-même ce qui sort de ma bouche, les gars. Ne vous inquiétez pas. Hein. On est encore là pour longtemps. Et on sera encore là. Je vais toujours vous donner les conseils. Évitez les bars et restaurants gratuits de tous les jours là, et c'est comme ça qu'on vous tue. On vous tue. Tu vas mourir comme ça. Étant innocent. Je vous dis, tu peux manger quelque part. Qui t'offre ce que tu peux manger là? Tu ne connais pas la personne. C'est le copain ou bien c'est la copine de ton ami. Quelle copine? Quel copain? Il fait quoi? Tu t'en fous. Tu manges seulement. Et après, maintenant, quand ça arrive, on accuse le poison. Donc, en conclusion,
Il n'y a pas le poison au Cameroun. Maman continue à batailler l'argent. Le moment venu, je ne sais pas. Après, on va dire que Franco encore dit que je n'ai rien dit. Peut-être c'est le vrai agent. Mais je sais que quand même que le vrai agent, l'agent, vraiment que moi je suis dehors, je fais comme ça pour sortir par terre. Comment on fait là? Ah, sauf si c'est celle qui va nous ouvrir les portes, nous ouvrir les yeux, nous montrer que c'est possible. On attend aussi voir. Partagez la vidéo, les amis. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. C'est la page de la sensibilisation. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Et très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.